Salut à tous, c'est dimanche matin, je viens de me laver les cheveux. C'est la première fois depuis que j'ai coupé mes cheveux et j'aime bien le mouvement que ça a. Franchement, ça change tout quand t'as les cheveux courts pour te les coiffer, quand t'as plus d'extensions. En plus, j'aime bien le petit mouvement que ça fait au niveau de la frange. Enfin, je peux encore faire plein de coiffures sympas, donc ça, c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire au moins un DIY, mais d'abord, je vais aller déjeuner. Mais non, c'est trop cool, je sais qu'il est parti chercher de la confiture, on n'en avait plus. J'ai l'impression que... Ah, c'est cool, petite viennoiserie du dimanche. Ça fait plaisir. Je vous montre. J'ai sorti la graffeuse à bois, j'ai jamais utilisé ça, donc il est rentré. Bon, c'est tout bête, hein. Le truc c'est que... Il faut vraiment appuyer fort fort fort. Il me dit, je suis pas trop fan que tu utilises ça. C'est un coup, est-ce que tu te fasses mal? Et voilà le tabouret que je vais customiser. Donc ça, à la limite, je peux le faire de chez moi puisqu'il n'y a pas de bombage. Pendant que je suis là, je vous montre. Vous savez, quand j'ai fait mon haul, l'action, il y a hier ou avant-hier, eh bien, j'avais oublié ça. J'avais encore, c'est la deuxième fois que j'oublie des choses à la caisse. Et bah, j'y suis retournée et il m'avait laissé ça, le petit mot. Franchement, ils ont assuré. Oubli caisse. Voilà, donc ça c'est l'étagère, elle est quand même très très lourde, 50 cm. Et ça on me l'a donné éventuellement si ça me plaît, et je pense que ça peut me plaire. Je suis prête et je connais enfin mon programme. J'ai bien tourné ça dans ma tête. Alors, je vais donc tourner là une face cam, ça sera un seul DIY. Toute petite vidéo, enfin, elle sera pas très très longue. Et cet après-midi, dans le vlog que vous voyez du coup, eh bien, je vais chez ma maman pour tourner le DIY qui nécessite d'être à l'extérieur parce que je vais utiliser la bombe. Au niveau de ma petite tenue, j'adore cette association. La chemise, donc, elle est pas repassée, c'est hyper tendance, ça fait faussement décontracté. Donc, je ne perds pas de temps et je m'y mets. J'ai terminé la partie intro ou trop, hein, j'ai pas encore commencé la création du tabouret, mais comme d'hab, j'ai perdu mes lunettes. Je vais perdre peut-être une demi-heure, une heure la dernière fois. Est-ce que je vous l'avais dit? J'ai pété un plomb, j'avais perdu mes lunettes et sans mes lunettes, c'est juste pas possible. J'ai mis 2h30 avant de les retrouver. Je pleurais de nerfs, d'agacement. Bon, je vous raconte encore ma vie. Ça va bébé? Très bien, toi. Ça va? Oh les coquines! Quelle idée de se mettre ici. Petite plante de chez Action. Par contre, ça, Eric ne l'a pas encore installée. Ça fait bien, hein? Pas sûr que ça reste définitivement là. C'est chiant que ça soit tout le temps. Mais. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est lesquels tes sandwichs, toi? Ok, moi c'est ton. D'accord. Il m'a pris ça ce matin, parfait. C'est prêt aussi, comme ça c'est hyper rapide quand t'as plein de boulot, que t'as pas le temps de manger trop, mais qu'il faut quand même manger. Attends, maman est où? Ah bah oui, forcément, c'est du thon. C'est ce qui s'appelle manger sur le pouce. Je te vois, petit poulet. Mais oui. Let's go. Alors voilà le fameux tabouret, comme je vous disais, qui est assez haut sur pattes. Et le bois, c'est vrai qu'il est très beau, j'hésitais, hein, mais bon, j'avais quand même cette idée de transformation. La housse de coussin. Je suis explosée. Il est pas loin de 5 heures. J'ai pas en plus complètement terminé. J'ai terminé tout, mais c'est fou comme ça prend un temps dingue en fait quand tu commences à faire des créations, des DIY, tant par la réalisation en elle-même qu'après le montage. Ouais, je pensais pas que ça allait prendre autant de temps, donc bon, c'est pas grave. Pour ce qui est de, je devais aller chez maman faire la deuxième DIY, je remets ça demain, c'est pas bien grave. Par contre, vu que là, j'arrive au stade, vous savez, quand on n'a pas bougé de chez soi et qu'on a été écran, 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 faut que je prenne l'air, faut que je sorte. Donc on va aller, je pense, d'ici une demi-heure, on va sortir, s'aérer, marcher, et puis ouais, ça va me faire du bien. Donc je suis super contente, hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sorti hier, donc c'est mon tabouret design. Je vous invite à aller voir. En plus, pendant, c'est vraiment ma création et tout. Je me suis même pas inspirée d'un truc à droite à gauche. Et voilà, pour le petit programme, cette mouche me saoule. En plus, il y a Jackie qui est sur le rebord de la fenêtre.
pas l'air de le perturber plus que ça. Bon, allez, go. Je sens que ça va me faire du bien. J'ai vraiment cette sensation de tension nerveuse qu'il faut que j'évacue. Absolument, rien que de me mettre déjà en tenue de sport, ça va beaucoup mieux. Regardez-moi ça, le fil conducteur, un chat encore. Bon, s'apprêtait à marcher. Je vous reprends tout à l'heure. Demandé à Eric, on s'arrête. Je vais te faire une photo. Vous irez voir sur Insta. Si elle y est, c'est que j'ai trouvé qu'elle était bien. Tiens, bébé. T'as juste à tenir. Ah, t'as le vertige? Tu te sens pas à l'aise? Et bébé, enfin, on est juste là. J'ai pas eu. Menteur, je te vois, t'as le vertige, à vous. Dis la vérité. Non. Et je te filme comme ça? Mais je crois que j'en ai mis partout plein les fesses. Tu penses qu'elle va être bien la photo? Très bien. J'ai un doute. Oh là là, il est encore flashé sur une maison. Et le pire, vous savez ce qu'il m'a dit? Redis ce que tu viens de me dire, ton rêve. C'est d'avoir un bungalow. Voilà. Mais à l'année. Comme? Comme Mel Gibson dans... L'arme fatale. Et je crois que j'ai trouvé le terrain. Ah ouais? Ouais, bah je... Oh. Alors bien évidemment, j'espère que c'est une blague. T'imagines? Ah oui, j'imagine, ouais. C'est exactement comme les enfants qui disent « je n'aime pas la purée ». Non, mais là, je sais parfaitement. Je l'ai fait une fois. Donc, je te dis, tu penses à savoir. C'est un moulin. Si, c'est un moulin. Hein. Ouais, ils appellent ça le moulin. Ah, c'est un moulin, ok. Bon, maintenant, je vois comment il est disposé. Hein. Il est tout cassé. Ouais. Et comment ça se fait? Qu'est-ce que j'en sais? Ouais, excellent. La petite caravane. Ah, l'école de cirque. Ça m'aurait, voilà. Ça m'aurait beaucoup plu quand j'étais jeune. Ça ouvre dans complètement même. C'est excellent. Ah, c'est cool. Elle est belle, hein, la caravane. De quoi? Ça me fait peur qu'il soit si près de la propriété. Ouais, c'est sûr, mais bon. Quand même. Il y a deux mots. Ouais, ouais. Deux salles, deux ambiances. Il y a un camping. Et le truc, je dis, bah, je te paye un coup pour rire. Je fouille 10 euros dans mon sac. Vas-y, viens, on va voir s'il y a une buvette. Non, il n'y a pas de... Tu veux ou pas? C'est une buvette par les gens du camping. Tu crois? Bon, j'en suis pratiquement sûr. Vas-y, on va essayer. No buvette. Quoi, c'est exactement ça? De quoi? Un bungalow. On peut apprécier d'être en vacances cette année. Ouais, mais il n'y a pas de buvette. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est beau. On est sur un petit pont. Ça fait un moment qu'on marche par rapport aux autres fois. C'est la dernière grande ligne droite. On a 200 marches à monter. Ça va? J'en peux plus. On est con. Pourquoi on est passé par là? Prends ton temps, bébé. Plus jamais. Non, plus jamais. J'ai déconné. Reprends ton souffle. J'ai le t-shirt qui est trempé. Pas normal! Good job. T'es bien là, mon bébé? T'as trouvé ton... c'est des nouveaux coussins. Je trouve que ça va bien d'ailleurs dans le salon. Maman va aller se toucher. Oui, j'attendais que je refroidisse un petit peu en température. Je suis de retour après une bonne douchette qui fait toujours autant de bien. Je vais faire à manger, je vais faire des petits spaghettis. J'ai envie de s'asseoir. Je vais peut-être faire avec des champignons, un peu de crème. Petit blanc de poulet, peut-être sympa, ou de dinde. Cette vidéo, elle aura peut-être été courte vu que... Ce que je devais faire, aller chez ma maman, faire le deuxième DIY, j'ai pas pu parce que ça a pris beaucoup trop de temps. Je pense que je vais différer à demain. Je préfère pas m'avancer trop, mais je pense que oui, dans l'idée, j'ai prévu de faire ça. Je vais clôturer maintenant ce petit vlog et puis bah, vous dire très certainement à demain pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais un gros bisou. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On clôture avec toi. Tu fais un bisou? Et puis tu dis à demain. Ça sent, hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire à manger, maman? Oh, ça sent bon. Mais non, allez, cette fois-ci, j'éteins. Salut!